Salut à tous, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII. On était donc complètement travesti et on allait voir donc Ornello. Drôle. Envoyer la marchandise. Voilà, donc là on va aller chercher Titefa. Donc hop. Elle est là. Oula, alors là, le plan est... C'est pas la vidéo qui est pourrie, hein, c'est vraiment tout écrasé. Voilà. Donc voici Tifa. Alors Claude n'ose pas se montrer. Il y a des accessoires un peu... Dans une salle de torture, en fait, hein. Donc elle nous a vus, hein. C'est marrant parce qu'elles sont toutes les deux jalouses. Elles font toutes les deux semblant d'en avoir rien à foutre de Claude. Je crois qu'elle avait même pas compris que c'était lui, en fait. Va prendre la potion. Non, c'est un éther, ouais. Non, des fleurs ont amorti ma chute de 15 mètres de haut. La jalousie là dans leurs paroles. Allez. Oui. Salope.
Bon alors, go. De toute façon, là, on a tous les meilleurs trucs, hein. On a 100% de chance d'être choisi. Donc, comme je vous ai dit, il a besoin que de la perruque et de la robe pour continuer le jeu. Et d'ailleurs, il a exactement la même tête, hein, si on a... Même si on met... Il n'y a que la perruque et la robe en fait qui changent l'apparence. Roulement de tambour et tout. Cette jeune fille, Rubis. Attends, je... Alors, pour la petite précision, si je choisis Tifa ou Aerys, vu qu'on contrôle Cloud, on voit pas ce qui se passe avec Tifa et Aerys, hein. On se retrouve dans une salle avec plein de mecs. On essaie de leur échapper parce qu'ils croient qu'on est une fille. Et après, il y a un petit combat. Deux petits combats, mais super. Alors, il me semble que derrière son lit. Ouais, voilà. Hop, hyper. Et là, donc, il y a des chouettes dialogues. Donc si on dit bien sûr, ça fait rien, mais si on fait il y a un autre dialogue. Et on peut dire si il s'appelle Barrett et ça va monter la valeur d'affection de Barrett de 5. Donc je vais le faire. Oui, c'est normal. Ça, c'est marrant. Il parle de ses coups. Voilà, donc il y a Heidegger de la Shinra qui a demandé de trouver le gars avec le canon sur le bras, donc Barrett, hein. Voilà, donc en gros, ils veulent faire sauter la plaque, parce que vous savez, dans les taudis, il y a une plaque au-dessus de, bah, au-dessus des taudis. Et ils veulent la faire sauter pour écraser tout le secteur 7.
Donc là, on voit une petite scène dans la Shinra. Donc on voit à droite hein, le directeur de la Shinra qu'on avait déjà vu juste en le deuxième boss, là dans le secteur 5. Donc le fameux œil de guerre. Voilà donc leur plan, détruire le secteur 7, faire croire que c'est la faute d'Avalanche et secourir les gens qui restent. C'est vraiment les pires des enfoirés, hein. Alors là, attention. Comme vous voyez, on tombe tous. Et donc on peut parler à Tifa ou à Iris pour les réveiller. Et selon l'ordre dans lequel on les choisit. Et ben ça donne la valeur d'affection, enfin plus 3 à la valeur d'affection de d'un des deux persos. Et moins 3 à l'autre. Donc on va parler à Tifa, parce qu'il vaut mieux que ça soit la valeur d'affection de Tifa qui monte. Vu que déjà celle d'Aerys est plus haute de base, et qu'en plus celle de Tifa on peut la mettre à zéro à un moment du jeu, en répétant un dialogue. Voilà, donc ça c'est la vraie musique des boss. Qui est vraiment pas mal. Donc voilà le troisième boss. Et j'ai rien équipé du tout, et c'est génial. Donc il est sensible au feu. Et il se blesse lui-même hein, par contre. Ce qui est un peu cool. Oui, ça fait 73 alors que le feu ça fait. On va continuer à taper avec lui. Ça fait 118. Ouais. Le double quoi. Non, le double 150, je dis de la merde. Alors en fait, voilà comment fonctionne. Les limites de Tifa, hein, c'est une espèce de roulette. Et en fait, il n'y a que le chiffre, enfin le chiffre, le mot du milieu qui compte, les autres on s'en fout. Ce premier boss, enfin ce troisième boss plutôt, et enfin un boss qui vaut quelque chose. Parce que les autres sont un peu pourris. Hein. Donc pour l'instant la première limite il y a juste oui et EU là, je sais pas trop ce que ça veut dire.
doit être comme ça, voilà. Mais plus tard, dans les prochaines roulettes, il y aura des trucs où sera marqué raté. Donc on peut rater ses limites, c'est assez chiant. Et plus le niveau est haut, plus il y en a justement. Voilà donc. Ça c'est fait. Et j'aurais dû acheter du coup les équipements pour Tifa. J'ai été con. Mais c'est pas grave. Rien de grave. C'est des équipements à la con de toute façon. Qui sont pas uniques. Je vais quand même voir si je peux pas les mettre mieux. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, bon bah ça je l'ai pas pris du coup. Bijou titan, bâton de trill. Ce qu'on va faire, on va... Ouais, on va laisser comme ça... Non. On va laisser couverture sur lui. On va mettre feu sur Tifa. Foudre et tout sur Iris. L'inverse plutôt. Ouais mais je peux pas. C'est ça l'inconvénient, c'est que Tifa, vu qu'elle a pas sa nouvelle arme, elle a pas ça. Donc on va faire comme ça. Ok. Et on va soigner personne. Parce que on va soigner avec la limite d'Aéris dans le combat, ce sera plus simple. Et ça coûte moins cher. Ah, je sais que ça avait tué l'autre en un coup, mais j'ai pas le calcul. J'ai même pas vu les dégâts. Ah, je sais pas ce qu'ils ont contre Tifa, mais... Elle s'en prend plein la gueule. Hein. En plus, celle qui a le moins bon équipement. Qu'elle mange un peu. Alors Bulle, il me semble que ça endort. Voilà. Et donc contre Tayad, la deuxième limite de niveau 1 de Cloud. Potion. Là, vous voyez une matéria jaune. Donc, on n'en a pas encore eu des jaunes. C'est une matéria d'action qui permettent de faire une action en particulier. De rajouter une commande en fait. Là, on a attaque, magie, objet. Ça, c'est une matéria qui va permettre de faire autre chose en plus. Ça rend chiant qu'elle ait pas son arme Tifa. Je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté, j'ai été débile. Parce que là elle fait vraiment des dégâts ridicules. Hein. Ah quoique. En fait je suis tellement habitué à la fin du jeu que je me rends pas compte des dégâts là. César. Les ennemis des... les noms des ennemis sont un peu bizarres quand même. On va pouvoir faire une salade avec. Salade César. Alors voilà, on a la matière volée. Ben, on va la mettre à Tifa vu qu'elle sert à rien.
Et ça augmente la dextérité en même temps. Vous voyez, au début ça donne voler, qui permet de voler des objets à l'ennemi. Et après ça donne assaut. Assaut c'est... attaquer et voler en même temps. Ah parfait, une attaque de dos, ça c'est génial. Merde, faut pas qu'il se retourne l'autre. Trop tard. Non, je fais vraiment pas assez de dégâts là. C'est pas grave, au moins on a économisé de l'argent, comme ça. Ça nous servira plus tard. Mais là on voit que les ennemis commencent à être un peu plus coriaces. Déjà le 3ème boss, beaucoup plus puissant que les deux précédents. Bon, le deuxième il est vraiment nul, hein, si on a des limites d'avance. Limite le premier est plus dur. Mais bon, le premier, même si on fait le con, ça va aussi. Voilà, pour l'instant on n'a pas eu après de vrais boss vraiment durs. C'est pas pour tout de suite encore. Voilà, donc je pourrais vous laisser là. J'hésite. Allez, je préfère faire des petites vidéos de 20 minutes. Bah des fois je dépasse, ça fait 35. Hein. Donc c'est pas très régulier. Mais je préfère faire ça, parce qu'en plus là j'ai un point de sauvegarde. En plus, bah il y a des gens qui préfèrent les vidéos longues et d'autres des petites. Après, ceux qui préfèrent les petites, les longues, ça leur fait chier. Alors ceux qui préfèrent les longues, bah ils peuvent regarder deux petites vidéos de suite. Hein. Donc on va sauvegarder. Donc voilà, dans cette vidéo, on aura appris le plan machiavélique de Don Corneo. Enfin de Don Corneo, de la Shinra plutôt. Et voilà, là on est dans le cimetière des trains, donc vous verrez ça à la prochaine vidéo. Donc on se rendra dans le secteur 7, voir ce qu'il s'y passe. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy 7. Et qui risque d'être un peu plus longue que celle-là, parce qu'il va se passer quand même quelques événements. Donc je vous dis salut.